un jeu en 4X, édité par Paradox Interactive. C'est un jeu de stratégie. On peut jouer en multijoueur et on va découvrir ça. Je n'ai jamais joué. Enfin, j'ai joué la version Xbox, mais encore une fois, comme j'expliquais, parce que je montrais la caméra tout à l'heure. Là, c'est pour ça que j'ai relancé le live. Comme ça, il n'y a pas de faute. C'est injouable à la manette. Voilà. C'est un jeu qui se joue vraiment clavier-souris. Autant tu vois un jeu comme Civilization 6 sur Nintendo Switch, tu peux toucher avec l'écran tactile, c'est cool. Mais avec ça, c'est par exemple ça sur ce jeu-là sur Xbox, c'est injouable. Ça, je comprends pas comment on peut jouer, pourquoi il a été porté dessus. Bref, on va commencer une nouvelle partie. Je vais suivre un petit peu les conseils que j'ai vus de streamers, tout ça. Comment commencer quand même, parce que je voudrais pas me rater. Donc on va commencer là. Hop, on va faire une petite partie face. Allez, une petite. Ah oui, on peut être sans IA. On va faire une partie intermédiaire à 600 étoiles. Moi, je me ferai une partie de mon côté parce que j'ai envie de faire que d'exploration, j'ai pas envie de me battre. Mais là, c'est vraiment pour découvrir le jeu. Ennemi déchu, on va essayer de ne pas en mettre, exceptionnellement. Contrôle technique et transition, monde habitable, ouais, x1, qui met ce premier, x1, gravité des crises, ouais, x1, tatatata, difficulté enseigne, ouais, KD, ouais, enseigne, allez, on va rester sur du normal. Pas de difficulté, voici un enseignant, localisation des empires à mât. Et il y a le mode Iron Man qu'il faudrait qu'on ajoute, parce que du coup, ce qui pourrait mettre en fait. Alors, il nécessite que Steam Cloud soit activé et que le joueur se connecte à Steam. Eh bien, vas-y. Je n'ai pas activé. Bon, c'est pas grave. On va jouer sans le mode Iron Man. J'activerai ça de mon côté sur notre partie. Parce que je voudrais faire une partie en fait sans ennemis, tout ça, et vraiment faire que de l'explo. Ça, c'est un délire que je veux me faire. Donc on va commencer ce petit Stellaris qui est de la conquête spatiale indirectement. Et on va voir comment ça se déroule, hein, parce que je n'y ai pas rejoué. J'ai juste pris le screenshot hier pour faire joli. Mais voilà. Alors, beaucoup de choses se sont produites depuis les premiers humains modernes sont apparus en Afrique il y a 200 000 ans. Notre espèce s'est rapidement imposée sur le globe et très vite sont apparus. Les premières civilisations. Les progrès techniques ont été rapides mais aussi coûteux. Avant même que nous maîtrisions l'atome, les guerres ont fait de millions de victimes. Et ce 21e. Non, attends, c'est pas le 21e ça, je sais pas lire là. C'est le 21e siècle, tourmenté, pas vu le mandat de Nations Unies être progressivement étendu afin de respecter. Au début du 22e siècle, l'organisation est supranationale et de facto devenu gouvernement mondial. Désolé, je parle super mal, j'ai du mal là. Hein. Si certains n'apprécient toujours pas le pouvoir exercé par les Nations Unies, comme l'a bien montré l'intervention de la police mauritanienne en 88, bien peu peuvent nier les avancées permises par son soutien à la recherche et les premiers vaisseaux stellaires. Maintenant terminés, l'humanité est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, celle de l'exploration spatiale. Donc voilà. Madame Présidente. I am Veer, a prototype synthetic intelligence. My job is to offer advice and assistance as we seek our destiny among the stars. Ok. Eh bien, tu sais quoi? On va le faire. On va faire le An excellent decision. You will have my full support. Je suis à votre entière disposition. C'est bon à savoir. Building a star empire can be a daunting task. To help get things started, I will be providing instructional missions that cover the basic steps necessary to establish ourselves as a success. Okay. Donc, alors, le journal de bord qui se trouve là. The situation log displays a list of all currently available special projects, archaeology sites, and various other points of interest. New items will likely appear as we begin exploring the galaxy. Alors, le journal de bord dresse la liste de tous les projets spéciaux et sites archéologiques disponibles actuellement, ainsi que tous les points d'intérêt de nouvelles entrées y apparaîtront certainement à mesure que nous explorons la galaxie. Donc, nous devons explorer le système stellaire proche pour se faire sélectionner notre vaisseau scientifique, soit en cliquant directement dessus, soit en le sélectionnant le gestionnaire. Cliquez ensuite sur le bouton reconnaissance dans l'interface de la flotte, ouvrez la carte galactique, sélectionnez un système non reconnu relié par notre
Hyperroute. Le vaisseau scientifique va leur tracer un itinéraire pour reconnaître les corps de planète. Ok. Donc, je pense que il doit... Non, c'est sol. Sur la Terre, peut-être. Maintenant, les vaisseaux stériles, ils sont là. Puissance militaire, vaisseau de construction, puissance militaire. C'est pas ça. Station minière sur sol. Alors. This is our home world and the capital of our empire. The planet summary screen, which we are currently looking at, provides an overview of the planet's important statistics and allows us to set a designation if desired. Military fleets are used to protect our emerging empire from threats or to expand our glorious rule through force of arms, if we so wish. Carte de la galaxie. Voilà, c'est peut-être ça en fait. Nous avons un cœur, ça, il faut un vaisseau scientifique avec un équipage. Ok. Ok, d'accord. Il faut que j'apprenne à jouer, ça va pas être facile. Alors, tac tac tac, flotte militaire. This is our science ship, which is used to survey astronomical objects such as planets in a star system. A planet needs to be surveyed in order to make its resources visible. Reconnaissance. Non, reconnaissance. Il est où? En fait, parce que je le vois pas. Attends, Vesta, tac, celui-là. Non, qu'est-ce qu'il fait? Attends, non, c'est pas ça, c'est hop, reconnaissance du système. Voilà, ça a l'air d'être ça. On va reprendre. Donc normalement il doit partir. Voilà. To overcome the vast distances that separate star systems, our scientists have developed the hyperdrive. This device permits travel at speeds far exceeding that of light between systems connected by hyperlinks. Le voyage de le long d'une hyperligne est incroyablement rapide mais limité aux routes tracées par le réseau des hyperlignes de la galaxie. Entrer en toute sécurité dans l'hyperspace n'est possible que depuis la bordure d'un système. À quelques distances des effets perturbateurs des puits de gravité et une étoile. Ok. Le tutoriel est où le tacticiel là-dedans? Peut-être lui en fait. Donc. Je pense qu'il faut que j'attende. C'est peut-être une connerie en fait, ça se trouve. Donc le fameux scan là que j'avais vu sur les vidéos. Ok. Alors j'espère que vous m'entendez bien en fait, du coup, parce que j'ai oublié de regarder. Faut que je regarde là si vous m'entendez bien. Juste le temps de. Je reviens tout de suite. Hein. Attendez, attendez. Ah, c'est mieux, ouais, effectivement, c'est mieux. Vous m'entendez carrément mieux. C'est mieux que la dernière fois, c'est déjà plus propre. En analysant la surface de Barnard Star One, notre vaisseau scientifique a fait une découverte extraordinaire. Sa composition, son histoire peuvent nous apporter quelques nouvelles données que nous devrions prendre le temps de collecter. L'exploration de nouvelles planètes nous amènera sûrement à découvrir d'autres anomalies comme celle-là. Nous ne sous-estimons pas, donc pas leurs impacts sur notre expansion. Ok. Donc là c'est une naine rouge quoi en fait. Alors. The technology screen is where we will be directing our research efforts. Technologies are categorized into three different fields, with each field typically having three available research options. Attends, n'est pas recommandé. D'accord. Ok. Si je veux, je peux faire des recherches pour. Voilà, donc ça c'est un peu comme. Ça ressemble un peu à comment dire à Elite. Merde, comment on appelle ça? Ça ressemble à. Empire-wide edicts, practices merde, that can be enforced by spending some of our resources, can be enacted. Tac. Well done.
The first survey of a star system beyond our own has been completed. We now have access to planetary data that the astronomers on our home world could only dream of a mere generation ago. We may want to consider building a second science ship. This would double the speed at which we can survey our galactic. Alors, journal de bord. Donc construire un deuxième alors. Nous devrions envisager de construire afin d'augmenter la vitesse à laquelle nous effectuons la reconnaissance de notre région, de la galaxie. Cliquez sur la base stellaire et sélectionnez l'onglet chantier, puis sélectionnez vaisseau scientifique dans la liste. Notez que vous avez accès à l'alliage avant que sa construction ne puisse démarrer. D'accord, et l'alliage en a 200 plus 12. Ok. Now that we have begun exploring our neighboring stars, alors... it might be time to extend our reach. A starbase can be built around stars in surveyed systems to expand our borders, okay, allowing us to claim new regions of space. This is our system's starbase. These upgradable stations mark star system. Oh. Non, c'est pas là. Ah, attends, faut que je relise. Alors, cliquez sur la base stellaire et sélectionnez l'onglet chantier. Station ça. En fait, je me trompe peut-être de coin. C'est la lune, ça. Attends, c'est quoi, c'est Vénus? Ah, je suis con, la lune, n'importe quoi, elle est vraiment débile. Hein. Attendez, est-ce qu'on peut. Ouais, c'est bien. Sol, non, la terre, là. Chantier, chantier, chantier. Où c'est que j'ai chantier? Faut que je trouve chantier. L'onglet chantier. Clique sur la base de C, à sectionner l'onglet chantier, puis c'est. Alors attends, chantier, chantier, chantier. Ça, on va chercher un peu. Alors. Alors, nous avons. Orbite autour des étoiles alliées. Construction. Vaisseau de construction. Cliquez sur construire une base stellaire. Est-ce que j'ai un vaisseau de construction là? This is our construction ship, which is used to construct space stations. When an astronomical object, such as a planet, has been surveyed, we can order this ship to build a research station or a mining station to exploit any resources it may have. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, il faut que je fasse ça. Normalement. Si je comprends bien, si c'est bien ce que j'ai compris, quoi. Alors attendez, je vais utiliser un petit peu les touches secondaires. On va regarder un petit peu les animations. C'est sympa. Alors, j'ai toujours été un petit peu passionné par tout ce qui est lié à l'espace, qui est vraiment sympa pour le coup. Hein. C'est un truc que j'adore. Tac, il va partir dans l'autre univers, donc on va aller le rejoindre. Tac, le voilà arrivé. Hop. Donc, on va, je pense, donc construire, c'est ça. Hein. Construire un deuxième vaisseau scientifique. Oui, mais ça je sais pas. Ah, c'est les bases stellaires. On va faire une base stellaire. Comment on fait pour faire une base stellaire? Gentil toi. Ouais. Celui-là on aurait peut-être dû mettre le recevoir. Hein. Et ça prend combien de temps, du coup? Ah, la barre d'évolution elle est là en bas.
The tradition screen displays the tradition trees available to our empire. A tradition tree must first be adopted before any traditions within it can be unlocked. Adopter un arbre de tradition ou une tradition spécifique à un certain coût en unité. Ce prix est consacré à mesure que les traditions sont adaptées. Ok. Donc genre expansion. Ouais, bah vas-y, on a combien? C'est bon, vas-y, vas-y. S'il te plaît. L'expansion déjà. Tac. Alors. Tac. Donc là on a les barres d'évolution en fait de tout ce que nos vaisseaux peuvent faire. Donc là si je veux je peux lui en renvoyer vers un autre système. Et ce que je vais faire tout simplement c'est que je vais faire donc un deuxième vaisseau scientifique. Il y en a un qui ira en haut, il y en a un qui ira en bas. Ça ça va augmenter un peu. J'espère ne pas me faire péter pendant la game parce que ça peut être chiant. Alors hop, tiens, on va le repasser là derrière. Excellent. Lui aussi, il est chiant. As you can see on the galaxy map, the borders of our empire have expanded to include the system where we built our new starbase. Les frontières de notre empire se sont étendues pour inclure désormais le système où était construite notre nouvelle base stellaire. Donc la fameuse base stellaire qui va... Alors, comment on fait? Je comprends pas là. Ouais, mais il y a un truc que je comprends pas. Alors, journal de bord. Nous devrions envisager de constituer un deuxième vaisseau scientifique afin d'augmenter la vitesse à laquelle nous effectuons la reconnaissance de nos régions de la galaxie. Cliquez sur la base stellaire et sélectionnez l'onglet chantier, puis sélectionnez le vaisseau scientifique dans la liste. Alors, par contre, t'es gentil, on va retourner sur Terre, sur le système de sol. Ouais. Station minière, puissance militaire, corvette. Et ouais, mais tu te fous de ma gueule là en fait. Mars. Cherche. Les stations minières, mais c'est bien gentil, mais moi je voudrais savoir pourquoi on peut pas. Voilà. Puissance militaire, ouais. Mais. Oui, l'onglet chantier en fait, c'est ça le truc. Elles peuvent être spécifiées grâce à leur module de construction. Je suis con. Ah non, vas-y. Attends, je vais faire une connerie, je crois. J'ai pas compris. Attends, on va bien relire parce que je pense que je me suis gouré quelque part. Anglais chantier. Mais on a de l'aide là. Parce que. Sur la base stellaire et sélectionner l'onglet chantier. Mais j'ai pas l'onglet chantier ou c'est moi qui le vois pas. Attends, on va aller voir si Bernard Star s'ils ont ce qu'il faut. Dites-le si je fais des conneries parce que. Ouais, je pense mal tomber là. Alors. Non, je veux pas. Pas le démanteler non plus. Je peux pas je voudrais comprendre pourquoi j'arrive pas à faire un chantier. Oh le con chantier, il était en bas. L'abruti, ça commence. Allez, on commence à hein, tant qu'à faire. Donc ils ont demandé un vaisseau scientifique. Allez, c'est parti. Ah mais quel abruti d'abruti quoi. Là franchement il n'y a pas d'autre mot. Le mec, il cherche l'onglet. C'est marqué onglet en gros. Il le voit pas. Franchement, je commence très bien. Et c'est sympa, ça commence. Ça montre que faut que je cherche un peu. Faut chercher un peu surtout. Alors, du coup, et je pense que lui, du coup, là-haut. Non, il l'a pas. Il n'y a aucun chantier stellaire.
on peut pas. On ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas de chantier stellaire. Et puis, du coup, en fait, il faut que j'attende l'amélioration pour faire un premier module de chantier. On va faire aussi un module de chantier ici, du coup, pour vous permettre d'aller avoir une expansion de la, comment dire, de l'exploration dans le jeu. Voilà. Ça commence assez fort. J'aimerais bien faire d'autres découvertes. Attends. Voilà. Ça me stresse moins de l'avoir emmené. Pardon, excusez-moi. Hein. Allez. Je vais aller envoyer du coup deux vaisseaux. J'ai envoyé deux vaisseaux se balader. On va essayer de trouver des points et des endroits où se mettre. Allez. 29 secondes. Parce que du coup, je pense que l'autre il a fini. Ah oui, alors, vous allez voir souvent le logo sauvegarde, mais tous les mois dans le jeu, je fais une sauvegarde en fait. Comme ça, je perds vraiment pas ma partie. C'est souvent arrivé. Construction complete. La file d'attente des constructions est désormais vide. Voilà, donc on peut ajouter des modules. Un chantier spatial. Et on va se mettre une batterie de lance-missile. Allez, dans la construction, quartier d'équipage. Oui, allez, hop, c'est parti. Voilà, tout ça, ça va se mettre. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va Alors, déjà, où est mon vaisseau scientifique construction? Mais moi, c'est le vaisseau scientifique que je veux. Là. Il est là, le vaisseau scientifique. Il faut le vaisseau scientifique. Il est là. Lui, on va le cliquer. On va le prendre. Hop. Il va aller faire une petite reconnaissance. Alors, il va faire une petite reconnaissance et on va aller. Ouh, il a l'air d'avoir. Alors, il pourrait aller là, c'est pas plus mal. Ah, vas-y, hein. Écoute. Allez. Reconnaissance du système, lui, il va aller là. J'en ai un autre sur la Terre qu'on va aller rejoindre, du coup. Il est où le pépère? Attends. Vaisseau scientifique, lui, voilà. Et lui, il va aller faire un tour par là. Ah, ok, d'accord. Mais j'ai aucune personne dedans. Il est où? Donc notre vaisseau scientifique, voilà. The leaders tab lets us hire, dismiss, and assign idle governors, scientists, admirals, and generals. Et je peux pas recruter des gens. Tac tac tac. Zique, menaque, vitesse de recherche. Insouciant. Prends la plus jeune. Allez. Honneur aux jeunes, comme on dit. Tac, toi tu. Oui, vas-y, ok. Hop. Aucun ordre. Il va y avoir un ordre dans pas longtemps, tu vas aller faire une petite exploration. Et voilà, tu vas explorer le système. Donc, Alpha du Centaure, il est là. Ah oui. Ouais, Disic, lui, il a fini. Disic, il est fini. On a le temps. Donc, on a une grosse station au niveau de Alpha Centauri. Et on a du coup un autre vaisseau qui arrive là à. Alors je sais pas où du coup, parce que c'est un peu inconnu. On va aller regarder ce qu'il y a, comme ça on va pouvoir voir. Et on va continuer un petit peu l'expansion un petit peu de tous nos appareils et de ce qu'il faut faire. Alors attendez, le vaisseau va partir dans pas longtemps, on va le voir. Voilà. Tac. Il est ici. À Subra, oh, il y a encore aussi des planètes. Bon, c'est pas grave, ça nous laisse un petit peu de temps pour continuer ce qu'on a à faire. Alors, du coup,
J'ai une nouvelle tradition. Alors, soit je peux augmenter mon excitation colonialiste. La population semble prise d'une véritable excitation. Je pense que c'est oublié en fait. Ou alors, excitation existe peut-être. Coloniale, son enthousiasme et sa ferveur patriotique attirent une population nouvelle dans des colonies récentes. Les conséquences, ce sera de nouvelles colonies, donc pop à la fondation des populations. Un coût de 352, comment on appelle ça ? Unités, donc c'est 352 unités pour adopter cette tradition. Ou alors, atteindre les étoiles. Les frontières de notre civilisation stellaire sont repoussées toujours plus loin. Bientôt, plus rien dans notre galaxie ne sera hors de notre portée. Conséquence, influence, moins 10% sur les bases stellaires, mais 352. Et ça nous débloquerait du coup l'ambition galactique et le réseau interplanétaire. Et là, ce serait vie nouvelle. On va prendre celle-là. Allez, je tente le coup avec celle-là. Toc. Ce sera assez sympa. Hop. Donc, on va laisser faire ça. Lui, alors, il aurait fini. T'aurais fini. C'est bizarre. Construire une station minière. Ah, alors, attends. Okay. On va faire un truc. On va pas suivre tout de suite le tuto. Exceptionnellement, on va faire une petite entorse à Bernard Star. Alors, il me semble... Ouais, donc lui, c'est un vaisseau de construction. Tu vas aller me construire une mine ici. Monde en fusion. Et lui, c'est un quoi ? Monde toxique. Super. Premier truc que je choisis, il est vraiment pourri. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, là ? Elle va couler constamment en raison de l'éruption volcanique, aucune fois. Oui, s'il peut faire quelque chose. Allez, on va aller construire une station minière ici, alors. Par contre, du coup, parce que... Alpha du Centaure, elle en est où? On va aller regarder. Alpha du Centaure, s'il te plaît, où est-ce que t'en es? Ok, oui, encore du monde. Ok. Personnalité qui est un niveau. Ok, bon. On va retourner sur la Terre. Hop. Donc. Stérile. Oh, c'est tellement beau. Ouais, bon, là, c'est le monde de base, quoi. Via the market screen, we can buy and sell. Attends, on va pas aller trop vite. Alors. Ok. Donc, en fait, j'avais bien cliqué sur. Grâce à l'écran de marché, vous pouvez acheter ou vendre des ressources. Ce n'est pas de la version inférieure, mais si le contact est allié. Ouais. Ok. Donc, ça marche. En fait, je peux choisir le. Ouais, c'est un marché, quoi. Tout simplement. System survey complete. Alors. Subra est prêt. Voilà. Donc, Subra est prêt. Construction complete. Et. Construction du. Ok, d'accord. Donc. Nous, on aura jamais essayé avec une association main sous une. Dénué de vie, ok. Là, il y a quoi? Construction complete. Fusion aussi, super. Monde stérile. Ouais, ça ressemble un peu à Mars, quoi. Immortel pour la plupart des formes de vie évoluées. Ok, je tombe sur des planètes où il y a vraiment de quoi faire. Lol. Pas. Bon, on va continuer la recherche parce que celle-là, à mon avis, Subra, ça va pas être terrible. On va envoyer Subra. Hop, ici. Tu vas faire une reconnaissance du système parce que là, ça va se rejoindre avec Alpha Centauri. Alpha Centauri. Alors, voici une inscription. Oui, ça je sais. Je sais comment ça marche, c'est bon. Tac, tu m'avais dit qu'il y avait quelque chose tout à l'heure. Là. Tac. J'ai avec lui et je glisse n'importe quoi. Ok. One of our science ships has just surveyed a world that would make an excellent candidate for our first colony. It is of the same planet class as our home world, so our colonists should be quite comfortable there. Cette découverte incroyable a définitivement fait taire ceux qui pensaient que nous étions seuls dans l'univers.
car si aucune des créatures aliens trouvées sur Alpha Centauri 3 n'est douée de raison, c'est qu'une question de temps avant que nous découvrions la forme de vie intelligente. Voilà. Donc, du coup, faut aller à Alpha Centauri. Alors, Alpha Centauri 3, il y aurait de la vie dessus. Donc, qu'est-ce qu'il me dit ? Humide, faible gravité. Alors, un monde rocheux avec une atmosphère composée d'azote et d'oxygène et une atmosphère activée. Ça. De masses continentales étendues sont séparées par de vastes océans avec de grands. Sont séparés avec de grandes variations climatiques selon la latitude et précipitations. D'accord, ok. Bon, bah, c'est au moins qu'il y a quelque chose. Est-ce que j'ai un vaisseau de construction? Alors, je vais envoyer un... Alors, on va faire un truc. Parce que, voilà. Là, on va pas se mentir. Ça bug, super. Donc, à Bernard Star, il y a un problème. À Bernard Star, il y a un problème. C'est que c'est pas non plus la meilleure étoile du monde, hein. On a mis une base stellaire, on aurait peut-être pas dû. Mining stations are used to extract the minerals. Vaisseau de construction, hein, on va l'envoyer à Alpha Centauri. Pourquoi ? Alors attendez. Nous avons récupéré des artefacts provenant d'une ancienne de Nord 25. Des artefacts, elle vivait dans ce cadran il y a 12 millions d'années. D'après ces éléments recueillis, nos scientifiques estimeraient que ces aliens qui formaient l'assemblée stellaire des Voltum étaient des annélides dont la taille avoisinait les 3 à 4 mètres, qui communiquaient entre eux à l'aide de vibrations émises le long de leur corps segmenté. Situation log updated. Donc, on va venir. Il va venir ici, lui, le vaisseau. Il va même faire... Ouais, non, alors, en fusion... Gazeuse... Il va me faire une base... Attends, on peut faire une... On n'a pas été totalement reconnu. Ouais. Les éologistes de toutes les... L'ONU se bousculent pour publier... La fièvre qui s'empare telle que... C'est... Ok. Laisser y aller en fait. Hein. Il parle le vaisseau là ou pas? Anomaly found. Depuis espace quoi. System survey complete. Vas-y, mais attends, par contre, je voudrais. On va choisir un endroit où on peut. Bon, déjà, on va faire une base stellaire. Hein. Voilà, comme ça au moins, ce sera. Ça m'appartiendra. On va aller créer un autre vaisseau de construction sur la Terre. Pour aller un petit peu explorer à droite à gauche, pour éviter aussi justement de me faire prendre certains endroits, genre Subra, même si c'est pas intéressant Subra. Hein. Alors, on va faire. Il me faut, attendez. Alors, il va me falloir deux constructions. Il va me falloir dans les chantiers un vaisseau de construction, un deuxième vaisseau de construction, je pense. Ouais, deux vaisseaux de construction, voilà. Alors, anomalie, bon ça continue, ok. C'est quoi ça? Ah, Alpha Centauri est reconnu entièrement, donc ça c'est une bonne chose. Du coup, la base va peut être créée et ça va me permettre de faire 2-3 autres choses. Alpha Centauri a été connu, ok. Comme ça, elle appartient à notre juridiction. J'étais sur la Terre, donc t'es gentil, on retourne sur la Terre. Voilà. Donc... Parce que j'avais les vaisseaux de construction, ok. Nous avons maintenant acquis la certitude que Earth n'est pas le seul endroit doté de riches biosphères. La communauté scientifique, tout comme la population, est impatiente d'en savoir plus sur les différentes formes de vie aliens de la galaxie. Les catalogages des formes de vie que nous avons déjà rencontrées est en cours. Alors, c'est le, d'ailleurs. Mais les xénobiologistes insistent pour que nous concentrions... nos explorations planétaires sur les mondes habitables porteurs de vie. Oui, vas-y. Situation log updated. Vas-y. Moi, je vais me laisser un peu guider par le jeu, du coup. Alors, c'est un jeu aussi. Je fais une petite parenthèse sur ce que j'ai vu. Ce casque est top, mais il me fait mal aux oreilles. Je fais une petite parenthèse sur ce que j'ai vu sur le jeu. Du jeu, c'est qu'on peut créer sa propre civilisation. Là, j'ai pris le truc le plus simple du monde. Hein, c'est vraiment le truc le plus simple. Alors, tac. Ouais, ça continue, donc c'est bon. Ah, je peux augmenter ma doctrine. Ouais, cette doctrine. Ça, c'est à cause de...
C'est à cause de. Comment dire, de civilisation, je dis doctrine. Mais c'est le même genre. Construction complete. Ok, alors, sur la Terre, c'est que. Voilà. Corvette. Corvette. Attends deux secondes. Petit toi, j'avais quoi en. Sont construits les vaisseaux. Alors, il y a environ 5000 ans, quelqu'un a utilisé un laser de minage pour tracer une gigantesque inscription sur la face de l'écriture. L'écriture couvre une large partie de l'hémisphère nord de la Lune et a tout l'air d'être une courte histoire relatant la vie difficile d'un mercenaire alien. Ok. Alors, on a un vaisseau de construction là. Qui va aller. Alors, à Subra, on a dit qu'il y en a un qui allait à Subra. Ouais, il va aller ici. Voilà. Et le deuxième, on va retourner sur la Terre. Le deuxième qui est ici, lui, va aller tout simplement. Il va aller. Alors, putain, ça bug un peu là, cette histoire là. Oh, calme-toi. Ça bug carrément ça. À Novak. Et Novak est pas fini de reconnu, je crois. Hein. Je crois qu'il a pas fini de reconnaître Novak, donc on va pas pouvoir le faire. Attends, il y a de la planète, hein. Sacré système aussi, ça. Alors, tac. Sol, tac, je dis. Hop. Tu vas à Novak. On va le déplacer, comme ça au moins il va y aller. C'est pas sûr, il va rien construire pour le moment. Il va y aller, c'est le principal. C'est franchement le plus simple qu'on puisse faire, c'est qu'il aille là-bas et qu'il se déplace, quoi. Je crois que je vais changer ma cam, je vais la mettre là, ce sera plus simple. Parce que je regarde beaucoup le chat. Salut Ambu. Ah, tu m'entends pas, c'est pas normal. C'est pas normal parce que... Qu'est-ce qui se passe? Bah non, ah ouais, mais attends, non, je parle fort quand même. Je parle fort quand même. Moi, je te jure, j'arrive à l'entendre, donc... J'avais pas vu ton... Enfin, faut vraiment que je mette la cam, là. Je vais essayer, parce que... Ah si, on m'entend, quand même. Ouais, bon, attends, faudrait que je augmente juste un peu le son. Merci pour le coup, hein. Mais pourtant, le son est assez fort. Voilà, ça va rebugger là, hop. On va augmenter un peu le son. Oui, je t'entends, hein, mais pourtant, le son, il est réglé. Hein. C'est bizarre qu'on m'entende pas aussi fort. Tac. Alors, attends. Par contre, je vais déplacer la cam, parce que là, c'est plus possible. Ça me fait chier plus qu'autre chose. Voilà, ce sera mieux. Là, on va voir. C'est pour ça, quand je regarde le chat, c'est mieux. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai? Je sais plus où j'en suis là. Plein secteur. Alors, écran de planète fournit un aperçu. Alors, attends, j'ai le retour. On m'entend très loin? Ah, c'est pas logique. Attends, tu me fais peur là. Bon, pendant la pause, j'irai regarder ce qui bug. Parce que du coup, je me suis perdu. Hop, fermez la carte de Gagaxi. Ouais, on est là. Alors, j'ai mes vaisseaux qui sont là. Nous avons... Je suis sur un second monde. Ça va venir ici. Un vaisseau colonial. Ok, bon, alors attends. Un vaisseau colonial. On va l'augmenter là, le vaisseau colonial. Pourtant, je parle assez fort. Mais je peux pas augmenter trop le débit, en fait, du micro. Parce que vous allez voir... Quoique, je vais essayer quelque chose. Tac. Attends, vaisseau colonial, c'est quoi ça? Ah, il me manque encore. Ok, bon, on va attendre un peu. J'irai faire quelque chose. Ah, c'est bizarre qu'on m'entende de loin en fait. C'est là que ça m'inquiète, c'est que le micro est pas assez fort. Bizarre. Parce que là, si j'augmente ça, ça va rien changer. Ça veut dire que le débit audio est mauvais. Ah, attends.
pas droit lui déjà. Attends, attends, attends. Merci, hein, du coup, bah, vu que t'es là, c'est cool. Ça se perfectionne, c'est normal. Tac, on va aller regarder le débit audio du micro. Tac. Pourtant, tu le vois bien sur la cam, il est juste là, le micro. Hein. Pourquoi il s'allume pas, lui? Enregistrement, casque pro. 1, 2, test. Ah, on m'entend de loin, effectivement. Niveau. L'ampli du micro. Est-ce que c'est... Non, ouais, attends. Est-ce que c'est mieux, là? Normalement, on m'entend mieux. Ça sature, même. Voilà, je vais baisser comme ça, ce sera mieux. J'espère que ça fait pas un bruit. J'espère que ça fait pas un bip. Parce que si ça fait un bip, c'est pas cool. Attends, je vais réessayer. Ouais, je vais baisser comme ça, ce sera mieux. Là, on m'entend bien, là. Ça fait pas un bruit. J'espère que ça fait pas ouais, un là, c'est mieux. Mais au moins, c'est mieux, on m'entend. Si ça fait un bip, c'est pas cool. Par contre, je vais couper mon retour de live, là, j'en ai pas besoin. Tac. Attends deux secondes. Oh, putain, chier ça. Attends. Pour mettre pause le temps de. On va baisser un peu. Là, du coup, on m'entend bien, là, c'est bon. Eh ben c'est merci pour le, du coup l'aide au, au réglage, c'est cool, je te remercie. Du coup j'ai démarré le truc de cheat, mais j'ai pas envie de démarrer le cheat, connard. Comment on fait pour l'enlever? Ah putain, comment on fait pour l'enlever? Je sais pas savoir. Ok, j'ai fait une connerie. Ah, j'ai fait une belle connerie même. Comment on fait pour enlever le truc de cheat? Ça, c'est pas le cheat, c'est le. Comment dire, le. Oh, puis ça bug quand tu fais comme ça, quand tu joues comme ça. Comment on fait pour l'enlever ça? Attends. Paramètres, j'ai appuyé sur tab. Pourquoi? Non, j'ai pas du. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai pas appuyé sur tab en fait, pas du tout. Je sais plus où j'en suis. Alors, donc, fallait faire un vaisseau colonial. Et eh ben, merci du coup, hein. On t'entend plus, c'est hallucinant. Quoi? On m'entend plus? On m'entend plus ou on m'entend plus? Ça, je comprends plus. Ah, bonne soirée à toi, du coup. Ah, du coup, je comprends plus. Ah, attends, c'est parce que je parle pas assez fort. Ah, putain. Faut que je le règle. Il est mal réglé. Pardon. Attends, du coup, hop. Où est-ce qu'est mon masque? Là, du coup, là, c'est mieux. Là, on monte. En fait, là, il y a le juste milieu. Bon, ça devrait aider, là. On va essayer, on va voir, je vais écouter. Là, du coup, là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, on m'entend. C'est juste bizarre. Bon, bref, il faudrait que je refasse des bons réglages. Là, du coup, merci quand même en but d'être passé. Hein. Bonne soirée à toi. Puis bah à la prochaine. Hein. Je pense à demain. Je pense que je passerai te voir demain sur ton live. Puis voilà. Reprendre. Tac. Donc, on en était où? Du coup, maintenant, on m'entend mieux. Je te remercie encore une fois. Putain, où c'est que j'ai foutu ma gourde? On était à du fait que j'ai soif. Hop. Alors, du coup. Il me fallait un vaisseau colonial. Et pour ça, il me fallait de la thune. Chose que j'ai pas spécialement dans le jeu. Alors déjà, je vais reprendre ça pour reprendre la recherche plus facilement. Bah si, je peux faire un vaisseau colonial. Allez, c'est parti. Hein? Qu'est-ce qu'il me fait là? Oui, vas-y, hop. On va faire un petit vaisseau colonial. Du coup, on va aller coloniser... on va aller coloniser Alpha du Centaure, parce qu'il n'y a pas trop le choix. Vu que c'est la seule planète, entre guillemets, où je peux exploiter quelque chose. Alpha Centauri. Du coup, attends, parce qu'il faut que... Ok, journal de bord mis à jour. Ouf. Alors, récupérer, nanana, reconnaissance de mon habitable. Ouais. Et là, il y a celui-là, donc le vaisseau colonial
qui est à faire. Et on va aller coloniser Alpha Centauri. Nouvelle recherche. Ah, ok, alors tu vas me faire module de champ. Voilà. En 2 mois restants, ça risque d'aller vite. Tac. Alors, qu'on s'y retrouve. Attends, parce que sur Earth, il est où le chantier naval ? Bien sur sol. Ouf ! 254 secondes. Research complete. Ouais, ça ira pas plus vite en fait. Ok. Nouvelle recherche, comme ça, moi, ça va augmenter mes recherches aussi. Mais je parle pas très très fort en fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'on m'entend pas spécialement. Et je suis désolé du coup. C'est peut-être pour ça qu'on m'entend pas spécialement. J'en suis désolé vraiment. Je suis plutôt. Je gueule pas dans le micro en fait. J'aime bien avoir un son vraiment raisonnable. Après là, j'avoue que là, je peux gueuler un peu plus. Il n'y a pas besoin d'avoir le son du jeu. Un jeu comme ETS, je vais être obligé vraiment d'avoir le son à fond quoi. Nouvelle recherche, donc j'ai dit. Unification planétaire, traitement des denrées. Vas-y, hop, on va prendre ça. System survey complete. Ah, on a fait. Ok. Alors, Norak. Ok, il n'y a pas de planète habitable, je suppose. Mais bien entendu. C'est quoi ce truc? Valeur commerciale. Remarkable. We have discovered spacefaring alien entities that may or may not be intelligent. But let's face it, probably are. On a fait la IA. Ok. Until we complete the appropriate project to investigate them, I suggest we do so post haste. Ok. Oui, bah vas-y, construis-la. Non, mais construis-la, j'ai dit. Allez. Oui, il est en train de construire, ok. Ouais, c'est mieux comme ça. Faudrait que je... De toute façon, il faudra que je voie pour mon décor. Je pense que je vais mettre un fond vert. Je vais installer un fond vert là. Ce sera mieux. Puis on verra. Ce sera plus sympa. Bon, techniquement, je peux faire imitation fond vert, mais ça va dérégler la caméra. Toc. Ok, c'est nickel. Bon, alors. Journal de bord mis à jour. Ok, tac. Subra, il y a quoi là? Vaisseau de construction à Subra. On va construire. Chantier stellaire. Ok. Ok, mais il y a un autre truc qu'il faudrait regarder, c'est... il me faut un truc commercial. Attends. Construction complete. Si tu veux. Non. Ah, il y a un carrefour commercial, il faut lui. Ok, du coup, il faut que j'aille dans le système de Nordak. Oh, il me manque 80, sérieux, il manque rien quoi. Il ne manque rien du tout. Donc,
manque, ouais, il manque 80, il faut que je sois à 200. 200 et 240, en fait j'ai ce qu'il faut en... On va attendre un peu, hein, histoire de faire un truc commercial, ça pourrait être sympa ça. Oh, ça me gratte le nez. Démange le pif. Tac. Elle est quand même grande la map. Hein. Elle est petite. Elle est petite pour le coup, mais elle est quand même grande. Hein. Ah oui, oui, j'avais pas vu. Tac. Et du coup, je vais même pas pouvoir faire la truc commercial, j'en suis sûr. Tac, parce que du coup, pour me faire la truc commercial, il me semble que je me trompe pas. Ouais, il manque 29 là et 240. Attends. Ah non, ça prend 240 minutes. Ah, j'avais pas compris. Ah, j'allais comprendre un truc. Allez, le mec qui comprend, tu vois. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai compris après. Je pense que vous allez vous foutre de ma gueule. Donc, tout simplement, je veux améliorer le poste CR pour faire une zone commerciale. Enfin, un poste commercial. Et je vois coût, donc 200 en argile. C'est en argile, je crois. En alliage. Ce qui manque pas beaucoup. Et je vois à côté 240. J'étais en train de chercher ce que c'était comme logo là-haut, là. 240. Mais non, c'est le temps, en fait. Qui je pense que ça doit être à 2 minutes 40 ou un truc comme ça. Enfin, un truc dans le genre. Il nous manque 4, allez. Que je l'améliore, cette foutue base. Allez, vas-y. Passe à 200, qu'on repasse à 0. Voilà, amélioré. Tac. Plus que 9. Donc ça, 234, ok. Donc je pense que c'est secondes, 234 secondes. Alors, du coup, on va aller voir le journal de bord, parce qu'il y a des trucs à faire. Enquêter, vas-y, enquêter. Voilà, hop. Établir un premier contact. Ayant... Alors, en cherchant le projet d'enquête dans le journal de bord. Oui, bah c'est ça, donc en fait. Ok, bon, bah du coup, je suis en train de faire deux choses. Alors, on a découvert la créature par contre l'espace. Sont certainement, mais leur véritable nature restera un mystère tant que nous n'aurons pas mené le. Je suggère donc que le faisons très rapidement, de crainte qu'il y ait une enquête sur nous en premier. Les colons ont été transférés sur le vaisseau colonial et le capitaine a souhaité. Attends. Le vaisseau colonial? Il est où? Il est où? Ah, il est là. Donc lui il va partir, c'est ça? Ok, alors, du coup, ça change tout. C'est que lui, il va aller sur Alpha Centaur. Et ouais. Voilà. D'ici qu'il y aille, on a un peu le temps. Donc, ouais, il part, du coup. On va le laisser partir. On va le laisser arriver là-bas. Donc là j'ai la route commerciale qui est à Nordak que je voudrais utiliser. Et Nordak, t'en es ouf, qu'on rigole là parce que je voudrais bien savoir. Pas ça que je cherche, couillon. 85 secondes. Et on va pouvoir prendre une petite pause. On va mettre aussi le jeu en pause. Parce que appuyer sur échappe c'est gentil, mais ça ne te fout pas le jeu en pause, pas du tout. Ah si, ça te le fout en pause. Mais on peut faire des pauses comme ça. Juste reprendre là le temps de faire ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les 60
secondes. Il est bientôt 23h, on va prendre la première pause, parce qu'il n'y a qu'une pause, de toute façon, la seule pause que je vais faire. J'ai une petite pause de quelques minutes, d'environ 5 minutes, sur le live. On se retrouvera dans 5 petites minutes pour la suite du live sur Stellaris. Et j'adore, je regrette pas. J'étais pas sûr quand j'y jouais sur la Xbox parce que je comprenais rien. Mais sur PC, ça passe tout seul, c'est nickel. Alors je m'amuse, je m'éclate. Et ça, c'est le côté cool. Du coup, on va lire la base de Stellaris de notre station spéciale qui peuvent être améliorées. Marquant notre contrôle, elles peuvent être une construction. Oui, bon, bref, je me répète ce que je sais déjà, quoi. Alors, on va lancer les modules de construction. Xeltac Union, elle semble avoir réussi à travailler maintenant, que ses canaux diplomatiques sont maintenant ouverts. Toutes les hostilités ont cessé. Ok. D'accord. Je représente la Xeltac Union, notre général délégué élu Xaox Ulkeltikin. Il a un nom à coucher dehors. Crois que la paix ne peut être défendue que par la force. Aussi, ne vous inquiétez pas de nos dépenses militaires. Nous sommes de fait impressionnés par votre espèce et nous espérons que les agriculteurs aient procédé à un échange de culture de nos peuples. Attends, c'est quoi ça? Cette option est disponible. Bon, bah, ok. Une forme de vie alien intelligente s'est propagée dans toute l'organisation des Nations Unies. Ils se sont fatigués par ces êtres. Excusez-moi. Les médias multiplient en partage d'explication de leur culture et leur société. Le fait que nous ne sommes pas les seuls dans la galaxie a suscité l'enthousiasme sur Earth. Comme nous, ces aliens semblent relativement nouveaux venus dans la galaxie. Leur niveau technologique s'apparente au nôtre. Construction complete. Voilà. Alors là, du coup, on va faire un carrefour commercial parce qu'on en a besoin et on va faire un chantier spatial. Hein. Et les constructions, bah rien pour le moment parce qu'on n'a pas besoin de faire. Hop. Ouais, le journal de bord est du coup à jour. Mais attends, con quoi. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il est arrivé lui, d'ailleurs, en parlant de ça? Ah bah ils sont juste là. Ah oui quand même, ils ont. Xeltac Union sont juste là. Donc on peut pas les. Je peux pas aller les envahir comme ça, quoi. Du coup, mon petit vaisseau colonial. Où est-il? Ah bah tiens, le voilà. Tu vas aller me coloniser ici. Hein. Tac. Oh. Alpha du Centauri Prime. On va l'appeler. Terre d'Alpha du Centaure. In the expansion planner, we find nearby habitable planets that may present opportunities for colonization. We can build colony ships and issue them orders directly from this screen. On va la faire un peu à la française. Tac. Il va aller coloniser ça, du coup. Et moi, je vais vous laisser sur cette petite cette colonisation. On va faire la petite pause, hein. Et je vous retrouve dans quelques minutes sur Stellaris. Le temps, moi, de prendre une pause. Le temps de prendre une petite pause pour moi. On se retrouve tout de suite. À tout de suite, du coup.
revoilà après une petite pause d'un peu plus de 5 minutes. Enfin, je règle un petit peu le truc plutôt à 10 minutes pour être tranquille. Du coup, on va retourner. On va reprendre la partie surtout. Du coup, on va y retourner. Tac. Donc, on allait coloniser Alpha Centauri 3. Parce que du coup, on avait besoin de coloniser tout ça. Du coup, on va laisser faire. Hein. Je crois qu'on avait que ça à faire pour le moment. Et les vaisseaux scientifiques. Qui est là d'ailleurs. Tac. Là-bas, le vaisseau scientifique qui va aller faire une petite découverte. Ah, na. Tu restes là. Tu vas aller refaire des petites découvertes. Tu vas aller ici. Voilà. Alors Dax, ça se passe comment? Colonization in progress. Alors notre vaisseau est posé à l'embouchure de l'immense delta de l'un des continents de Terre d'Alpha du Centaure. Cette région tempérée et forestière constitue un premier site d'atterrissage idéal. Le vaisseau abrite désormais le siège administratif de la nouvelle colonie et le cœur de son créateur est sur le point d'être retiré pour alimenter. Créateur, j'ai dit, c'est réacteur. Je suis vraiment con quand je m'y mets. Alimenter provisoirement la colonie. Des centaines de petites fentes, tentes et abris préfabriqués poussent comme des champignons autour de l'imposante coque du vaisseau spatial. Et les colons commencent à débarquer en nombre. La première vie humaine d'un monde alien. Voilà. Alors, le carrefour commercial va être créé. Voilà. Ce qui va me permettre de faire quelque chose. Congratulations on having colonized the new world. Our colonists are now in the process of building their first settlement. Temps avant de devenir autonome, la colonie sera un gouffre à ressources jusqu'à ce que le premier camp soit achevé. Alors faites attention de ne pas coloniser trop de planètes en même temps. Déjà une se suffit. Voilà. Ok. Bon. On a pris. Voilà. Ok. Oh, des nems blanches. Ça a l'air d'être sympa, des nems blanches. On va faire du temps avant de devenir autonome. Ok. On va les laisser faire. Ok, ah c'est des nébuleuses, ok. Ok. Est-ce que j'ai un autre vaisseau de recherche dans le coin? Toi tu vas aller faire un tour quelque part. Faire un tour ici. Là. On n'a pas lui, on va rien faire du tout. Alors, chaque candidat se présente en section programme soutien. Allez, j'ai pas le temps encore. Tiens, je soutiens pour celle-là. J'ai pas vu qui c'était hier, mais c'est pas grave. Ok. Tu dois reprendre les. Voilà. On va reprendre les recherches. Hein. Ok. On est à Subra. On peut renommer les systèmes. Ok. Ok, d'accord. Donc, du coup, je suis en train de me dire. On va faire quelque chose. Construction complete. Voilà, ce sera plus drôle. Ok. Un brouilleur. Voilà, comme ça, au moins, il y sera.
Ok. Bon, journal de bord, il n'y a pas grand-chose à... Station minière construite. Ah, il faut 4 stations minières. Est-ce que j'ai un vaisseau de construction là? C'est quoi ça? Attends, parce que ce serait bien qu'il me fasse ma construction de station minière. Hein? Il fait là. Ah, d'accord, ok. Non, non. 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 J'adore. Ok, bon. Ok, dans ce cas, à Subra, on va lui mettre. System survey complete. Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Vas-y. Attends, je comprends rien, je fais quoi? Ok, il est là. Ok, donc j'en suis déjà un là. Hop. On a déjà, donc on en est à 200. Communique station minière. J'ai bien fait une station minière là. Ah non, là encore de commencer. Bon, d'ailleurs, du coup, on a le temps. Construction complete. Une nouvelle faction, c'est ça, adhésion. Alien. Ok. Ah, il y a un autre vaisseau là, du coup. Comment ça fout la merde, ça? Bah, on va peut-être revendiquer Pricon, hein, parce que ça va commencer à craindre là. Une fois un vaisseau de construction, tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, Alpha du Centaure. Parce que là, ça commence à craindre, vaut mieux que je fasse des recherches. Eh ben. J'avais pas un vaisseau scientifique dans le coin, moi. Ah, ça pue en fait là. Construction complete. Ouais, non mais là je suis en train de me poser la question en fait. C'est que j'avais un vaisseau machin. Donc ce qui veut dire que si j'avais un vaisseau... Oh, putain, ça revient chez nous là. Pas trop, mais bon, ça revient chez nous là. Pour qui c'est que ceux-là? Ah mais non, ils sont avec nous, je suis con, c'est vrai.
Par contre, du coup, je suis en train de me dire, alors en pratique, ouais, le vaisseau de construction, il est ici. Il va me construire la base stellaire normalement. Et donc j'avais un vaisseau scientifique quelque part, ici, ok. Qui est en train de scanner normalement. Ne fait rien, super. Oh putain, j'ai personne. Vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais c'est pas grave. Viens là, toi. Va faire le chemin, on va t'amuser. Ça, j'ai besoin de faire une reconnaissance du système tout de suite. Est-ce qu'elle est finie là-bas? En train de faire notre truc, ok. C'est fait. Et je disais, il me faut un autre sens vaisseau scientifique, mais celui-là en train de nous faire la reconnaissance. On va aller construire un autre vaisseau scientifique depuis là. Ce serait une bonne chose. Normalement, je dois avoir un chantier naval. Tac. Construction complete. Va être plus sympa. Ça, au moins, on va être tranquille. J'espère que vous m'entendez bien sur le live. Ça part bugger comme tout à l'heure. On n'entendait plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Je vais réessayer. Je vais réécouter. On m'entend bien, c'est cool. Alors, du coup, où est-ce que j'en suis? Nordak, oui. Donc Nordak, il y a une construction actuelle normalement. Attends. N'aurais-je pas fait de conneries? Si, voilà. Alors, le vaisseau scientifique qui est ici, du coup, va aller se promener à un autre endroit. Va se promener ici. Mais. Ah, oui, j'avais pas d'équipage à bord. Oublié. Qu'est-ce que tu fais là? Mais on va recruter quelqu'un pour que un jeune. Hop. Et du coup, tu vas aller te promener ici. Oui, j'ai un vaisseau scientifique. Quelqu'un de. Qu'est-ce qui me fait. Ma gueule, mais. Fous de ma gueule. Je viens de te nommer, c'est pas pour rien. Voilà. Tac, c'était pas pour rien, j'ai dit. Eh ben. Putain, pourquoi il veut pas que. Sous ma gueule, là. Alors, quoi, l'agissement de cristaux rares, des cristaux possèdent des propriétés qui rendent particulièrement efficaces pour la concentration des rayons laser. Ils ont aussi été un élément crucial pour l'électronique avancée. Par ailleurs, de nombreuses cultures les considèrent comme des décorations et ornementations de grande valeur. Si nous ne possédons pas encore les moyens d'extraire cette ressource, nous devrions sérieusement réfléchir à établir notre contrôle de système pour l'exploration exploitation future. Va ici! Voilà! Putain, merde. Toi, attends deux secondes, parce que j'ai pas fini. Il y en a, on a un vaisseau de construction là. J'ai deux vaisseaux de construction, va comprendre pourquoi. Toi, construis une base là. Tu vas comme construire une base ici. Il va bah, entrer dans l'orbite, au moins comme ça il y sera, hop, ce sera bon. On va aller voir si je peux pas aller créer des stations minières du côté de
Après, attends, pour créer des trucs miniers, il va me falloir un deuxième véhicule. Station minière, voilà. Tu vas aller en créer une ici. Je vais insister. Ouais, bon, c'est bien. Hop. Tant qu'il y arrive déjà, ce sera pas mal. Là, elle en a bientôt fini avec son truc, elle. Eh ben dis donc, franchement, c'est sympa comme jeu, ce petit Stellaris. Je regrette pas du tout, je suis très content. C'est un jeu que j'aime bien, j'aime bien. C'est, franchement, c'est sympa, c'est, ça donne envie, c'est cool, c'est sympa. Et puis voilà. Il vient d'arriver, mais on va le laisser arriver, justement. Toc. Ah, on s'y prête au jeu, hein. Ah oui, c'est là qu'on les vend. Je suis con. On vend quelques ressources, hop. Histoire d'être un peu plus productif. Oh, oh, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Du coup, il est en train de faire de la recherche, lui. Ok, c'est bon. Hop, on va le laisser faire de la recherche. J'aimerais bien qu'elle finisse sa recherche, elle, par contre. Elle en est où? Grimson, il en est où? Est-ce qu'il y a celui-là qui va... Je sais où. On va laisser faire ses trucs. Hop. On va aller... Faire. Alors pendant ce temps-là, on va aller produire. On va aller produire 2-3 choses. On va aller produire 2-3 choses. 169, ok. As our empire grows, trade between our planets will become an increasingly large part of our economy. Starbases with trade hubs collect trade value within their system to be routed to the capital for conversion to energy credit. Okay. We have found an anomaly. Ok, bon. Du coup, bah 500, il va falloir. Hein. Ah, il manque encore 156. On va laisser faire. On va augmenter un petit peu ça après. Fini à nous voir, non. On va laisser faire. Lui, il arrive sur Alpha du Centaure. Et elle, est-ce qu'elle a fini? On aurait bien qu'elle ait fini en fait, c'est ça le truc. C'est la dernière, ok, donc du coup, c'est bon. Donc lui, il reste plus que Elam. 5, 6, 7, LM7, excusez-moi. L'acte de déco-soleil, il est passé entre le mois prochain avec la sortie de Nemesis, ça va être une truc. Eh ben oui, c'est sûr. Eh ben bonjour à toi Nerbo, bienvenue sur le site, le live. Je découvre un jeu, ouais là franchement, je m'éclate en plus. C'est pas mon style de jeu, mais là je m'éclate. Donc bienvenue à toi, hein. Bienvenue sur le chat et bienvenue sur le live, c'est cool. La Terre dans le système a été fondée, ah ça y est. Alors, notre première colonie extrascolaire ainsi solaire ainsi que la planète se met en branle. Ok. Tac, ça c'est fait. Et ça, du coup, je peux les. Ok, donc je peux faire des. System survey complete. Du luxe, courage, croissance. Martial, interrompre. Anticriminalité, donc c'est le baron du crime. Ok, d'accord. Tac. Mais je fais du multigaming, mais là, pour le coup, c'est la première fois que je fais un jeu comme ça en live. Système Elam est entièrement reconnu. Ah, ça, c'est ce que j'attendais. Alors, attends, je vais juste être concentré un peu, parce que Elam, j'attendais de faire quelque chose dessus. Tac, tu vas me construire une base spatiale, parce que j'en ai besoin.
Voilà, comme ça au moins. Elle va être vindiquée après. Question. Nouvelle recherche. Composant réacteur à fusion. Permet le décret des subventions énergétiques. Permet le composant. De... Vas-y. N'hésite pas à follow la chaîne, il n'y a pas de souci. Comme tu vois en dessous, c'est marqué. Il y a pas mal de live. Enfin, pas mal de streams qui vont se faire. J'ai repris il n'y a pas longtemps. Alors, du coup, bon, alors ça le fait. Faut que j'attende que elle soit créée. Système non revendiqué. Oui. Mais là, ça va pas. Là, je vais. Ça va être à moi, là. Hop, du coup. Tac. Système non reconnu. Putain, il est pas fini de reconnaître lui. Je vais aller refaire un petit vaisseau. Attendez, je suis à 500 ou pas? Je suis pas encore à ça. Voilà, donc je suis officiellement. Il est officiellement à moi maintenant. J'ai un vaisseau scientifique là. System survey complete. Allez, tu vas aller reconnaître ici. Tac. On va les envoyer un peu à droite à gauche histoire de découvrir des trucs. Système reconnu. Ah, bah lui aussi il est reconnu. Je vais vachement jouer sur l'expansion. Ah non, mais attends, il est en train de construire une base. Ah, mais non, il l'a construite. Hop, bah tu vas aller construire une base ici. Construction complete. Tu vas aller construire une base ici. Voilà, comme ça c'est fait. On va voir. Alors attendez, parce que j'ai encore des. Comment dire, j'ai encore des stations à créer, des stations minières. Ouais, sur Barnard Star. Et Barnard Star, normalement, il y a des stations minières à créer. Alors, il y en a déjà une qui a été créée là. Il m'en manque plus qu'une, il me semble. Tac. Ah bah non, j'ai fini. J'ai fini ça. T'as pas reconnu. Ok. Ok, bon. Laissez faire. Il est pas parti, lui? Non. Ah si, il en part. Il arrive à Nordak. Ok. Donc, bon. Zeltek Union, ok. Bon, on a un peu moins d'expansion qu'eux, mais au moins, c'est sympa. Bon, ils vont se croiser. Ouais, c'est ce que je me posais aussi comme question. Ok. Recherche sociétale. Alors, construire une station de recherche en orbite permet de les collecter. Ouais, bon, on va en reconstruire un ici à la limite, puis on va faire un truc sociétal là. Tac, voici la base CR de notre site. Oui, bon, c'est. On a compris ça. Ah, franchement, j'aime vraiment beaucoup ce jeu. Je trouve que c'est sympa. J'ai l'autofocus de la caméra qui déconne. Alors j'aime bien, c'est qu'il est même pas dans le bon sens lui. Je comprends rien à ce casque. Donc j'ai l'autofocus de la caméra qui déconne, c'est super. J'adore. Allez, on y va. Presse-toi. Toc Nordak. Il y en a un. Hop. Et. Recherche. Attends. Donc, du coup, je vais faire quoi? Recherche sociétale. Station de recherche. Non, quand ça marche pas. Mais qu'est-ce qu'il me fait là? Comme ça, il va me faire ma petite station de recherche sociétale. Ça va être bon comme ça. Hop. Toujours en train de construire lui. On a combien de pourcent? Il
on est pas loin. En train d'analyser, on va voir si j'en ai pas un qui s'ennuie, qu'on va aller, qui va aller aider à l'analyse. Donc, si on a eu le temps qu'il y arrive. Le temps qu'il y arrive, voilà quoi. Construction complete. Ok, donc la construction est complète. Hop. Bon, on va l'exploiter un petit peu. Parce que là, je voudrais l'exploiter, cette ressource-là. Il y a quand même pas mal de choses à faire. On va l'exploiter, ça. Vaisseau de construction. Il va aller me construire. Alors, attends, il va nous construire quelque chose. Une valeur commerciale, donc tu vas aller construire une station. Alors attends, non, on va prendre la station. Tac, qu'il faut améliorer. On va laisser s'améliorer ça. Construction complete. Norda qui a une construction. Ok, ça a été fait, c'est bon. Reconstruire un orbite permet de collecter des données physiques. Si elles ne peuvent être construites, elles ne peuvent être construites qu'au sein d'une frontière. Ok. Tac. Alors, du coup. Il est là, mais. Il va bientôt avoir fini, lui. Il reste encore 3 systèmes, il va avoir fini. Ça va être bien, ça va être cool. Ça va être cool. Ah, qui c'est qui a gagné encore? Ah oui, non. Heureusement que ça se fait rapidement, hein. Ah, faut que j'adopte une nouvelle doctrine, ça? Non. The ascension perks list shows the ascension perks that we can potentially unlock. Some ascension perks may have special requirements, like technologies, or having a certain number of ascension perk slots. Prérogative impériale. Research complete. Vas-y. Ok, tu vas nous mettre. Vas-y. Bah les deux, je vais les réunir et puis ils vont aller faire la. De classe K, hop, je vais augmenter jusqu'à ici. Ça va être cool. Une petite sauvegarde. Ah, oh, mais il vient de partir, super. System survey complete. C'est quand j'ai besoin de vous que vous partez, bien entendu. De toute façon, on va envoyer des vaisseaux de construction. Je vais regarder ce qui. Oh! Il y a une station minière qui va se faire là. Ouais, on va faire un vaisseau de construction. Alors, vous deux. Vous allez aller là. Sous ma gueule, là. Ah bon, sous ma gueule. Ah mais non, je suis con. Allez. Voilà.
stock comme ça, ils vont partir en même temps. Voilà, ça m'arrange. Alors, on a un vaisseau de construction qui se balade ici à Bernard Star. Tu vas venir avec ton pote. Non, c'est station minière, je suis con. Il est où le vaisseau de construction? Là. Tu vas aller construire une base. On achira. Ici. Alors, attends. Bernard Star, hop. Ici. Voilà, ça va faire le temps qu'il se fasse. On va être tranquille. Vous avez rencontré des vaisseaux aliens dans le système? On s'en serait. Ok. Et bah, tu vas aller faire voir les spirits. Oh, oh putain, il y a du. Il y a deux enquêtes au moins. Et ça grandit ce. Ouais, ça grandit aussi. On a une route, petite route commerciale entre les deux là, donc c'est sympa. C'est sympa. Oui, effectivement. Ouais, sauf que je vais à la chien, les gars. Qu'est-ce qui se passe? Ah, d'accord, il arrive là, lui. Nashira, ok. J'ai peur qu'il vienne nous attaquer. Hein. Ok. Ça vient pas, Nashira là, ok, il faut quoi là? Il arrive à Nashira. Ok, il va me falloir un deuxième. Je sens la connerie arriver, je sais pas pourquoi. Pas longtemps, à mon avis. On va les laisser débarquer. Avant qu'ils se mettent à construire. Eh mais attends, je suis con. Ah oui, d'accord. Okay. Ça, il peut pas nous... Bon, on va essayer de pas se faire baiser la Nashira. Hein. Parce que là, franchement, ça va faire vraiment chier. Alors, tac. Système reconnu, c'est nickel. Ouais. Ok. Ok. Là, ça a été repéré aussi. Donc. Et là, tu te dis que j'ai pas assez de vaisseaux de construction. Ah, bah, s'il arrive. Oui. Je sais pas où il va, mais on va le laisser faire. Du coup, ils arrivent par chez nous. Hein. Il va partir de Subra bientôt. T'en es où là? Bientôt fini, ok. Ok. Construction complete. Nashira nous appartient. Je vais envoyer le vaisseau scientifique. Je vais envoyer les vaisseaux scientifiques faire un truc. Parce que là, j'ai un peu peur quoi. Mmh.
Ça, ils vont aller vers. Ça va boucler un peu là. Ça va nous faire un petit peu notre comment dire notre comment dire notre notre truc. Alors, chez Velexia, il y a quoi quand on rigole? Il peut faire les modules. Donc on... Attends. Lui, il peut faire deux, trois trucs qui vont me plaire. Il va me faire une recherche en physique, une recherche valeur commerciale. Alors, du coup, il me faut un carrefour commercial. Il me faut une station minière. Une station de recherche. Et deux stations minières. Donc il me faut une station de recherche. Là. Petite station de recherche du coup. Hop. J'ai après il y a quoi? Station minière. On va lui faire une station de minière et... Alors attends, station minière. Station minière, tac. Là, et il y a une valeur commerciale à faire. Donc on va faire une valeur commerciale à lui dès que ce sera bon. Hop. Oui, c'est ce que je me disais. Alors là, du coup, il va y avoir la reconnaissance. Ok. Pas grand chose. Lui, on va y faire une station minière. Voilà. Et toi, va falloir attendre un peu que tu te refasses pour pouvoir faire la truc, la suite. Construction complete. Voilà, ça c'est ok. Alors, lui, du coup, lui, il va nous faire une recherche. Ah, attends, c'est station de recherche. Non, bah, ça c'est bon. Et lui, c'est station minière. Tac. Voilà, hop, il va me faire une station minière là. Il y en a une autre là à faire. Alors dites-moi si je rate des trucs, hein. Mais bon. En fait, il sert à rien. Construction complete. Construction complete. Attends, je lui fais quoi? Je lui fais un carrefour commercial. Vas-y, hop. Voilà, comme ça sera bon. Je n'y avais pas grand chose, à part une station minière de c'est tout. Toi, tu vas aller ici en orbite parce que je vais aller me revendiquer ça, moi. Normalement, il doit y aller, hein. C'est nickel, hop. Je vais renommer Earth par la Terre. Parce que... Construction complete. System survey complete. Attends. Dans les faits, tout ça. Vas-y, si tu veux. Tac, ce sera mieux. Et R, on va la renommer aussi parce que du coup, je vais les renommer toutes.
le temps de m'occuper. Ah non, je l'ai renommé. Construction complete. Attends, comment on fait? Mars, station d'Astérix, Saturne. Ah, je peux pas toutes les renommer, ok. On va aller créer des bureaux. D'autres bureaux administratifs. Femme podronique et. Allez, le nouveau théâtre. Tac. Pour lui, ce sera bon. Hop. Ah! Considère la perputation. Qu'est-ce. Ah, vas-y, ok. C'est cool, c'est une bonne chose ça. Qu'en fait, ils viennent nous aider. Hop, et bah, vas-y, hein. Amuse-toi. Hein. Peut-être éviter les combats, tout ça, ce serait pas mal non plus. En fait, je suis safe comme gars. Bon, ils ont fini. Ok. Et bah, mon pote, tu vas me construire ce que j'ai besoin ici. Parce que putain, je l'attendais ça. Voilà, voilà, donc on a découvert Khan Vissam Assembly, Xeltet Union et l'Organisation des Nations Unies qui, du coup, est régie par mon système. Et là, on va augmenter un peu le système. Voilà. J'ai des vaisseaux scientifiques qui sont là, j'en ai un. Je vais l'envoyer à les reconnaître ici. Tu vas reconnaître un truc qui est ici. Partir pour une reconnaissance ici, hop. J'espère qu'il part bien, voilà. Hop. Donc. Empire inconnu, voilà. Alors, Sirius 3 est colonisable. Essayer de le coloniser en attendant que ça ce sera bon. On va faire un vaisseau colonial ici, comme ça il n'y aura pas besoin de faire grand chose. Et je vais y gagner un peu plus de temps aussi parce que techniquement, si je pars de la Terre, je suis fini. Après, je me dis que tant. Construction complete. J'ai un vaisseau colonial quand même. Hein. On va faire autrement. On va quand même partir de la Terre. Tac. Non, 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 non. Un vaisseau colonial, j'en ai pour combien? Il va me falloir 200. Ça c'est ok. Et il manque 126. Ok. Construction complete. Oh, le chômage de prometteur. Alors, le chômage et la pauvreté se répandent à une rapide étoile partant sur Terre. La fille pose une question. Criminelle locale, elle trouve. Si fasciné en créer des espèces, comme une solution, toi, cela aurait pu un coup. Ça me donnerait plus de temps pour trouver une solution plus durable. Oui, vas-y, hop. Ah, là, faut que j'attende. Ça... Ah, tu perds les biens de consommation. Je l'ai pas. Je suis à moins 6. J'ai un peu merdé en fait en vendant des trucs. Mais je me dis à la limite, j'ai combien? Ah, c'est comme ça qu'on fout la merde dans un système. Alors, du coup, ça c'est Sirius, il est fait.
Donc on va aller construire 2-3 choses. Il va me falloir. Oui, mais pour ça il va falloir autre chose. Parce qu'il va me falloir un vaisseau colonial. Donc du coup, pendant ce temps-là, on va aller préparer le terrain pour une station de recherche. Alors attends, station de recherche, ouais. Sur Sirius. Ce que je me dis, ce sera meilleur de faire ça. Quant à toi, tu vas aller faire un tour ici. Et toi, tu vas aller faire un tour là. Voilà, comme ça vous allez. Oh, ouais. Ok. Quoi, il peut pas construire ? Ah, si. Déjà, on va remonter, c'est bien ça. Ça augmente bien. Ah, je suis arrivé à. Ah, je suis arrivé ici. Oh. À Chara. Ok, on va laisser faire mes... ses recherches à lui. Ah, ils ont un trou de verre. Cool. Incoming transmission. Là, conclure un pacte. Ouais, vas-y. Ce que tu veux, moi je veux bien. Conclure un pacte de non-agression. Oui, vas-y. Oh, c'est pas vrai. Construction complete. Mais m'emmerdez pas, c'est bon, j'ai compris. Alors, tac. Lui, il a fait sa construction comme il faut. Tu vas aller construire aussi, donc, une station minière. Ici. Voilà. Franchement, j'adore. Je crois qu'on va s'en refaire un petit peu plus de Stellaris ici. Si jamais. Ok, tarac. Oh, mais attends, tarac, il n'y a pas un vaisseau là-bas? Et je suis fou ou quoi? Il est pas parti lui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non mais. Ah mais non, on peut pas aller visiter. Mais si on peut, mais on n'est pas obligé de on peut pas coloniser. Par contre là, faut que je colonise ici moi, histoire d'avoir plus. Donc toi dès que t'as fini. Dès que t'as fini, dès que t'as fini, tu vas sur Tarak pour essayer de coloniser. Enfin de. Construction complete. Ouais, et ben tu veux sur Tarak. Si on peut essayer. Voilà. Bon, ok. Alors, là il y a des trucs à construire quand même. Ce qu'on va faire, c'est que lui, il n'a rien d'autre à construire. La station est tout en créée. Hop, tu vas aller construire une base ici quand je vais te le demander. Toc. Tarak soit fini d'être reconnu. Oh, putain, j'en ai encore plein.
Our attempts to establish communications stand testament to our technological ingenuity. Il est fort probable que d'autres parties. Oh, attendez. Alors, les rapports faisant état de présent d'extraordinaires objets cristallins. Ces objets sont un vaisseau qui incurtissent. Mes comptes rendus des brusques changements d'orientation étaient constatés. Situation log updated. Vas-y. Et j'ai un détecticiel sur les bloqueurs du coup. Voilà, ça remonte, c'est déjà bien ça. On est à 0, donc c'est déjà mieux. Et dis donc, il se fout pas un petit peu de ma gueule, lui. Ah, en train de me dire aussi. Donc lui, il a plus qu'une planète à visiter. Hop. Dès qu'il aura fini son... Ok. Il en est où, lui? Après, il a pas fini. Il n'a pas fini. Bon, on va finir là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est simple, c'est qu'on attend que celui-là, il est terminé. Non, attendez, du coup, il a fini aussi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas me construire une base stellaire ici. Voilà. Et, tac. Et on va aller sur Tarak, on va, dès qu'il aura fini, on fera la base stellaire ici. Une fois que les deux bases stellaires seront là, bon, on terminera le live là-dessus. Hein, sur deux, une belle bonne map hein, qui est très jolie. À espérer que maintenant, bah, on voit comment ça fait. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ok. Ah, c'est les élections. Ouais, vas-y, ouais. Soutiens là, hop. Tac. Allez, fini que je... Nickel. Donc tu vas pouvoir construire la base ici, voilà. Là, Sirius. Ah oui, il y avait Sirius aussi. Où est-ce qu'elle est, la Terre? Construction complete. Solaire. Ouais, mais non. Attends, parce que du coup, je suis en train de me dire, un vaisseau colonial serait pas mal d'en avoir un. Parce que je me dis, voilà quoi. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Voilà, voilà, voilà. Normalement, tout est ok. Non, encore Tarak, il faut qu'il m'appartienne et puis ce sera une bonne chose. Et il aura fini dans 50%. Voilà, voilà, voilà pour Stellaris. Super bon jeu, bonne surprise pour ma part. Ouais, j'adore, franchement, j'adore. Je vais sûrement y rejouer lundi prochain. Il y a une possibilité que ça redevienne aussi hebdomadaire, un peu comme Dying Light le samedi. Du coup, samedi, épisode 2 de Dying Light, hein, on y retourne. On va aller faire la suite de Dying Light samedi. Du coup, on verra bien ce qui va se passer. Alors, je m'avance à dire quelque chose. Les résultats sont dans 10 heures et pour le moment, c'était positif. Il se peut qu'il y ait un live demain matin entre 10h et midi. Je ne sais pas de quoi. Peut-être Stellaris, on va peut-être continuer Stellaris de bon matin. Ce serait sympa faire un petit Stellaris par la suite. Ou peut-être un Sea of Thieves en compagnie d'un pote. Si j'arrive à le tenter à ce qu'il veuille bien jouer à Sea of Thieves. Et voilà. Juste après ce live, juste après qu'on ait fini ça, parce que du coup, je crois que nous avons fini. Voilà, 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 tout est terminé. Elle a été éliminée, gouverneur Earth, ok. Alors, une fois que tout ça a été terminé, puisqu'évidemment nous avons terminé, est-ce que attends, sur le système solaire, on a
On a un truc qui est en train de se construire. S233 tours. Enfin, ouais. Alors, 233 tours. Enfin, 225 secondes. Est-ce qu'on n'attendrait pas? On va attendre les 225 secondes. Et puis j'irai envoyer le vaisseau colonial. Bah, pas tout de suite. On l'enverra quand. On l'enverra quand on y rejouera. Voilà, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que Stellaris c'était sympa. On va aller sur GTA juste après, je vous l'ai promis. On va sur GTA juste après pour aller voir tourner la roue, voir ce que je vais gagner aujourd'hui et récupérer mon bonus. Ça c'est le petit rituel à la fin du live. On va sur GTA récupérer un petit peu ce que j'ai à récupérer. À la fin de ce live, comme je vous expliquais, il y aura un autre test. Je vais tenter. Je vous le promets pas parce que j'en suis pas sûr à 100%. Mais je vais tenter de stream Warframe. Parce que j'avais réussi à le faire. Mais voilà, c'est Warframe. On va tenter. J'ai pas dit que j'y jouerais. J'ai pas dit que ça pourrait passer en stream. Mais ça pourrait passer en stream. Voilà. Hein, c'est pas sûr à 100%. Pour le moment, j'en sais rien. Pour le moment, on va essayer. Voir si le processeur réagit bien. Parce qu'honnêtement, là, je suis qu'à 17%. C'est le plus bas que j'ai fait en stream. Honnêtement. Il est pas gourmand, c'est Stellaris. Il est bien sympa ce jeu. J'adore, honnêtement, j'adore. Il y aurait eu le support clavier-souris sur la Xbox avec Stellaris. Je vous assure qu'on l'aurait fait sur Xbox. Mais il n'y a pas le support clavier-souris. Je l'ai sur PC. C'est très bien aussi. Il est en full. Il n'y a pas de souci. Honnêtement, je suis à fond là. Il reste 100 secondes. Allez, allez, allez. Cherche, chasse multijoueur. Mais on est en partie joueur 1. Joueur 1, ils disent. Ah non, un joueur, ok. Carte détaillée, ok, menu principal, oui. Ah, qu'est-ce qui se passe? Domination, prospérité, harmonie, diplomatie. Allez, on va commencer à être diplomate. Tac. On va commencer à être diplomate, puis on va voir où il en est. Ah, 50 secondes. 50 secondes et puis on va pouvoir commencer à l'envoyer là où je dois aller et il va aller je sais plus où c'est. Il y a une terre habitable, je sais plus où. Alors, attendez, faut que je regarde, c'est pas par là qu'il y a une terre habitable. Là, ici, on va l'emmener à Ho Chi Minh. À Sirius. Alors 20 secondes, hop. Je sais que c'est un peu lent là. Eh bien, sur ce, j'espère que ça vous a plu quand même. Hein. J'espère que vous... Moi, je me suis éclaté pendant le live. Je me suis éclaté. C'était super. Merci d'ailleurs à Ambu de m'avoir aidé à régler le PPR là. Parce que ça, j'avais bien besoin. Alors, l'UN et Jamaïca. Super. Jamaïca, sérieux. Ouais. T'es gentil, mais j'ai pas fini en fait. Ce serait bien que t'ailles coloniser quelqu'un. Tout simplement. Tu vas aller. Alors attendez, faut que je. Voilà. Tu vas aller ici. Est-ce qu'on attend? Il a dans combien de jours? 227 jours? 274 jours? Écoutez, on va attendre les 274 jours. Je vais commencer la colonisation. Ça va durer un peu plus longtemps, mais c'est pas grave, on est entre amis, on s'amuse, on s'éclate. Si vous êtes sur live aussi, c'est pour aussi regarder un petit peu ce que je fais comme connerie, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. c'est souvent ça en fait, le problème de ma chaîne, c'est qu'il y a pas mal de conneries. Hein, voilà, donc il y a quand même des conneries, d'un mec qui se perd tout seul de temps en temps, hein, faut le dire. Je me perds quand même pas mal tout seul de temps en temps. Du coup, je vais aller voir si on n'a pas d'autres choses à créer. Ouais, j'ai un truc super, il dit que c'est habitable, mais... Monde subarctique... Ah, ça m'emmerde un peu d'aller habiter là-bas, quoi. Je peux coloniser, mais j'ai pas spécialement envie. Après, il a rien, en fait. Un carrefour commercial. Puis j'ai bien fait de le faire, tiens. Donc l'UNS Jamaïca, il est où là? L'UNS Jamaïca, ah bah il vient de partir de. Il va à Bernard Star. À Bernard Star. Je dis Bernard, mais c'est Barnard. Je vais la renommer Bernard Star.
Bernard Star plutôt, parce que ça me stresse. On l'appelait Bernard. Bernard Star, voilà. Ou l'étoile de Bernard, ce serait pas mal. On va la renommer comme ça. Désolé pour les Bernards. Hein. L'étoile. L'étoile de Bernard. Parce que Bernard est un. Poivreau. Traquenard aussi, ça peut marcher. J'allais dire connard, mais non. Ça se fait pas. Et désolé pour les Bernards, du coup. Alors, du coup, l'étoile de Bernard. Ah, c'est marrant, l'étoile de Bernard, ça le fait. Sirius, je pourrais la renommer Sirius Black, mais on va... ça ferait trop de références, là. Parce que Bernard, les traquenards, ça peut être pas mal non plus. Le traquenard de Bernard. Oh, ça le fait! Non, 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 on va la renommer. Je sais, on va... le traquenard de Bernard. Parce que c'est vrai que cette histoire-là, elle est pourrie, en fait. Ouais, ta gueule. Le trac... Comment on écrit traquenard? Traquenard de Bernard. Parce que c'est vrai que je me suis fait avoir sur cette planète. Je pensais tomber sur un truc civilisé. Voilà, on l'a appelé le traquenard de Bernard. Ça le fait carrément mieux. C'est plus drôle. Alors, le monde colonisable, il est ici. Pépère, tu vas aller là. Coloniser la planète. Sirius Prime. J'ai tellement envie de dire autre chose. Ça me tend la perche quand même hein. Bon, on va aller allumer la petite Xbox, parce que la Xbox, il faut l'allumer pour la fin du live. Ça va démarrer. Et voilà, 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 voilà. Bon, 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 bon. Ouais, monsieur. Et voilà, ça commence la colonisation. On est à... Ah, déjà, il colonise vite, verrez. Colonisation in progress. Il est déjà... Ah, colonisation. Donc voilà, nous voilà enfin sur la fin de cette découverte qui sera en plusieurs parties parce que je pense qu'on a encore pas mal de choses à découvrir sur Stellaris. Franchement, vraiment un truc sympa, un jeu sympa. Je vais faire une petite sauvegarde. On va l'appeler... Oui, bon, vas-y, sauvegarde, toc. Hop, retour au bureau. Ouais, on va quitter ça. Retour au menu. On va faire plutôt un retour au menu. Tac. Et voilà, c'est vrai que cette découverte était magnifique. C'était un jeu super sympa à jouer. Je vais repasser sur la partie console. De toute façon, nous allons quitter le jeu. Voilà. Je vais repartir sur la partie console. Hop. Voilà, on est arrivé sur la Xbox. La petite Xbox. Tac. Et on va aller sur... J'ai changé de casque, mais ça sert à rien. Sur GTA. Faire un petit tour sur GTA. Je crois que ça a bugué. Me semble-t-il. Non, c'est bon. C'est quand je change de canal, ça bug. Alors, du coup, on va faire un autre petit tour sur GTA pour finir cette soirée en beauté. Franchement, vraiment sympa. Une super découverte, Stellaris. Je te porte dans mon cœur, Stellaris. Tu as un bon jeu. J'ai failli acheter Orion. Un truc qui s'appelait Orion. Master of Orion. Et j'ai regardé le gameplay, ça me plaisait pas. J'ai regardé le gameplay de Zerator sur. J'ai regardé ces trois vidéos de Zerator sur Stellaris. Franchement, lui il disait c'était sympa, c'était pas son type. Enfin, c'est un jeu, c'est des jeux qu'il aime mais qui joue pas non plus tout le temps. Et moi je me suis dit. C'est clair, c'est pas un jeu pour moi. Mais en fait, j'adore la colonisation de ça. Gérer les guerres, ça va être un peu plus drôle, je pense. Mais franchement, Stellaris, vraiment, ce côté vraiment très sympa de se dire ouais, c'est cool, quoi. C'est vraiment cool. C'est vraiment très sympa comme type de jeu, comme plaisir. Franchement, je m'éclate. C'est franchement très sympa comme jeu. Ouais, vraiment, je me suis bien éclaté sur ce petit Stellaris. On va y rejouer. Je pense que lundi prochain, on y retourne. Lundi prochain ou demain matin, si mon pote veut pas jouer à comment dire
Je sais plus quoi avec moi. Vous savez quoi, je crois que pour le test de Warframe, on va rester en ligne. On va rester connecté en fait. Je vais pas couper live, je vais faire le test en même temps que vous, et puis je couperai à la fin. Parce que du coup, ça sert à rien qu'on s'embête. À couper, on va tout faire dans le lot. Je vais même faire mon test dans le lot. Parce que je suis un fifou. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite découverte de Stellaris, pour ceux qui ne connaissaient pas. Le jeu est trouvable hein, sur Steam ou sur d'autres plateformes. Mais c'est franchement un jeu à essayer. Et si vous avez le Game Pass, il est sur le Game Pass, sur la Xbox. Mais encore une fois, jouer à la manette sur Stellaris, je suis pas trop pour. Honnêtement, faudrait qu'ils mettent le support clavier-souris sur le jeu. C'est plus un jeu clavier-souris, honnêtement. Donc voilà. Bon, est-ce qu'on va la gagner, la petite Fister Comet SR? Parce que j'aimerais bien la gagner aujourd'hui. Ce serait sympa. Ce serait sympa de la gagner. Il est déjà minuit 15. Mais qui va faire ses lives jusqu'à pas possible. Là, je vais me coucher tard, je me connais. Étant donné que demain matin, j'emmène mon fils chez Denbris. Puis après. Après, je vais être tranquille en fait, hein, tout simplement. Alors. Ah, c'est un peu long le chargement. Il y a eu des problèmes sur GTA dernièrement. Donc là on fait le petit rituel du soir GTA et puis voilà, on va voir si ça marche. Vétion, bon, allez, presse-toi. De votre rampe sur l'autoroute. Ah, ça peut être pas mal ça. Ah, j'aimerais bien un petit Vapide. Il doit être sympa ce petit Vapide. J'ai regardé ses airs d'auto. Je suis sûr qu'il est là-bas. Ouais. Bon. J'espère que ça vous plaît quand même. Tiens, on n'a pas le son du jeu. C'est bizarre. Il n'y a pas le son du jeu. Tiens, périphérique de capture vidéo, il n'y est pas. Ah, mais je suis con, c'est celui-là. Périphérique de capture vidéo, c'est l'autre là. Donc si, il y a la musique du jeu en fait, pour le coup. Donc oui, c'est normal. Tac. Je regarde si j'ai pas des mails ou des trucs. On va profiter, regarder les conneries de mes potes. Tac. Bon, ça charge là, le jeu, c'est un peu long. Hein. C'est un peu long quand même, hein. Des jeux Borderlands en promotion. Cool. Faudrait que je me refasse Borderlands 3. Le 2, faudrait que je voie si je peux le passer en live ici. J'y crois pas trop, moi. Du coup, on va aller voir. Je voulais regarder quelque chose rapidement. Il y a une voiture qui est intéressante, du coup, apparemment. 1 310 000, pas mal. Petit karting, oh, ça peut être sympa. C'est de plus en plus cher ce truc. Hein. Bon, allez, allons voir ce que je vais gagner ce soir. Avant de retourner sur le PC, faire le test de Warframe. Parking casino. Le petit test de Warframe, si ça passe sur mon live, si on peut stream Warframe. J'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. On aura fait 3 jeux dans la soirée. Un complet et un pour. Alors, un pour. Parce que c'est le rituel de la fin du live d'aller voir ce que je vais gagner aujourd'hui. Et un tout simplement parce que, bah voilà. J'avais envie. Tac. Ah si, j'ai joué. Hop. Bon, allons-nous remporter le véhicule ce soir? En plus, il est juste là. Allez, s'il te plaît. Je crois pas. URP? Ouf, tant pis. Ouais, c'est pas grave. Hein. On ne l'aura pas ce soir. C'est pas grave. Hein. Allez, hop. Quittons GTA. Alors on va repasser sur le PC.
Hop. Repassons sur le PC où il n'y a pas de jeux qui sont allumés. Ah, éteindre la console. Alors, tac tac tac. Steam, t'es où? J'ai pas. Ah, j'ai joué à Stellaris sans démarrer Steam, moi. Ah oui, c'est vrai, parce que je l'ai ancré, mais du coup, faut que je démarre Steam. Oui, donc c'est pour ça que je pouvais pas me jouer, mais en fait, non. Steam Cloud était pas connecté. C'est peut-être pour ça aussi que je pouvais pas jouer en mode Iron Man. Une mise à jour de Steam, super. Je me tape une mise à jour de Steam. Ah, pendant ce temps-là, je sais pas ce qu'on va faire. Hein. On va attendre. On va attendre. Donc oui, il y a des promotions aujourd'hui. Ouais, mais Borderlands 3 passe pas sur mon PC. Et je l'ai sur la Xbox. Donc tant qu'à faire, hein. On peut pas s'emmerder. Allez, Steam démarre, 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 démarre. Démarre, 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 démarre. Ça arrive, ça se connecte. Je sais bien que t'es pas une folle puissance de fou, mais voilà quoi. Donc oui, donc aujourd'hui on est mardi, donc aujourd'hui peut-être qu'il y aura un live, comme je vous disais, sur les coups de 10h à midi. On verra sur quoi, on verra quoi on va ce qu'on va faire. Ça peut être du Stellaris, ça peut être du Sea of Thieves, ça peut être du Forza, ça peut être de tout et n'importe quoi. Sinon, le prochain vrai live aura lieu mercredi soir. Mercredi soir, il y aura un live. Je ne sais pas encore une fois sur quoi. Peut-être Sea of Thieves. Ça va pas être tout le temps les mêmes choses. Hormis que là, c'est vrai que le petit Stellaris du lundi soir, il fait plaisir. Il fait bien plaisir quand même. Toc, alors. Le petit ce team. Allez, s'il te plaît. Démarre ce que j'ai besoin. Voilà. Oui, j'ai joué à Stellaris. Tac, tac, tac. Mon petit Warframe. Jouons-y. Qu'est-ce qu'il fait? Quelle connerie. Allez, vas-y. Hop. Oh, il va démarrer Warframe. Okay. C'est long. C'est long. Me dis pas qu'il y a une mise à jour, il n'y en avait pas hier. Allez, presse-toi. Presse-toi. Vous entendez le bruit, mais vous n'avez pas l'image. Et c'est normal! Parce que c'est long, il y a encore du nouveau contenu, sérieux. Et des mises à jour tout le temps dans le jeu, c'est fou. C'est un truc de fou. Bon, comme ça, on va pouvoir tester si le PC accepte de faire Warframe en live. Ce serait bien. Par contre, je peux couper la musique, s'il te plaît. Non, je peux pas couper. Warframe est à jour. Tac. Vous avez l'écran noir, c'est normal, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est que quand il va se décider, on va changer en capture de jeu. Dès qu'il se sera lancé, voilà. On va changer la source de la capture de jeu, si monsieur veut bien. C'est pas dit qu'il veut. Hop. On va voir s'il veut bien. Je suis en train de me dire, je vais peut-être couper un truc. Enfin, je vais peut-être faire un truc parce que je suis en train de me dire, je vais me faire péter moi. Si je fais ça, hop. Comment je pourrais faire? Attendez. Ah oui, je sais comment je vais faire. Je déplace. Non. Hop, on va pas déplacer l'overlay. On va déplacer la caméra. Quand je vais avoir mon. Je déplace la caméra, mais c'est volontaire. C'est que je vais la mettre sur. Je voudrais pas qu'on voie mon adresse mail en fait.
Putain, je trouve plus ma souris. Super. Super. Merci. Hop. C'est long. Alors ma gueule en grand comme ça, au moins je sais que c'est par là. C'est par là qu'il y a mon adresse email, je voudrais pas que vous la voyez. Après, je me fais harceler. Et ce sera pas coupé au montage. Non. je proteste. Faut que j'arrête de me regarder, je suis narcissique. Le mec se calme. Hein. C'est long. Attendons. Attendons, attendons un peu. Oh, c'est long le chargement. Hein. Le coup du chargement qui recule et qui avance, ça, qu'est-ce que j'ai pu le voir? Je vais voir si je peux pas me connecter automatiquement à Warframe, ce serait mieux. Voilà pourquoi je voulais pas qu'on le dise et qu'on le voit. Par contre la musique pas obligatoire hein. S'il te plaît. Hop, 2 secondes. 2 secondes petit fou. Bande de petits fous. Tac, on va le remettre là. Dans le bon sens, s'il vous plaît. Voilà. Bon, le CPU, il va pas prendre trop cher, ça va. Donc, eh bah écoute, ça se stream, hein. Ça a l'air d'aller. Ça plante pas trop, ça va. Ça a l'air. On va faire une petite mission. On va voir. Hop, allez. Go. On va faire une petite mission excavation. J'ai une petite extermination. On va faire une petite extermination parce que j'ai rejoué avec le même pote qui est censé jouer normalement bientôt avec moi sur Sea of Thieves. Alors lui sur PC et moi sur Xbox. Bravo les gagnants, hein. Bravo les gars. Ça a l'air de marcher. Hein. Ah, écoutez, on va peut-être faire du Warframe un de ces quatre. Petit Warframe, ça a changé un peu. Ah, moi peu, hein. Par contre, dis donc, la musique, là, je vais me prendre des droits dans la gueule. Hein. J'ai pas entendu que la musique était comme ça. Eh. Arrêtez la musique. S'il te plaît. Envie de me faire trop striker, pas trop envie de me faire striker ma chaîne, quoi.
tourner qu'à 16. Putain la vache. Ce qu'on disait avec mon pote hier, t'as pas intérêt d'avoir les touches rémanentes activées sur ton PC avec ce jeu. Tu passes plus ton temps à glisser et appuyer sur contrôle que de jouer quoi. Putain, il m'énerve, il est où lui? Truc d'ose. Merde ce truc, voilà. Eh oh, où tu me tapes toi? Non mais... t'apprends à me frapper. Y'a un mode par là? Un truc. J'ai la carte de navigation. On oublie quelque chose donc. Toujours bon prendre ça. J'espère que ça va vous plaire hein, quand même. Du coup, on va peut-être pouvoir faire du Warframe sur la chaîne. Bon, ce sera pas propre, mais écoutez, le CPU il souffle pas trop. Ça, j'ai pas spécialement un gros PC, mais par contre, je peux faire jouer sur ce jeu en live, ça va être top. Enfin, juste que je baisse un peu ça, je baisse un peu les performances, enfin, les détails du jeu, mais. Donc. Je l'ai fait tout seul hier avec mon pote celle-là, donc. Pas quand il parle. Autant nous ils nous parlent en anglais les persos dans le jeu, mais autant eux comprend pas du tout un mot de ce qu'il dit. Bien pratique ce truc. Je suis plus habitué à y jouer sur PC à jeu par contre hein.
Ah purée non. Ah double purée, il va me foncer dessus. Il faut pas qu'il me fonce dessus, faut que je l'éclate. Eh mais je suis bête. Parce que ce bestiole là j'en avais besoin. Je crois qu'il est encore là. Ma onde de choc, ouais bien sûr. Ah purée, pas lui. Faut les récupérer eux. Voilà, c'est le problème, c'est que s'ils nous foncent dessus, ils nous font assez mal. Ah, le salaud. J'allais jamais les avoir, moi. Je crois que c'était Kata. Walkers incoming. C'est pas grave. Merde. Quand j'ai découvert ce jeu, c'était terrible. Je vous dire que j'ai adoré. J'avais montré à mon pote, il me dit ouais, je suis pas sûr d'aimer tout ça. Il a kiffé. C'est pour ça que la petite partie qu'on a fait hier était pas mal. Bien permis de nous amuser hier soir. Ah, super, on peut les ouvrir aussi. Ok. Bon, sur ce, il est minuit 40, ça fait juste 40 minutes que j'aurais dû arrêter le live. J'espère que ça vous a plu, qu'on s'est bien éclaté, on a joué à quand même 3 jeux.
dont un qui compte pas parce que c'est juste un rituel. Mais je suis très content, on va pouvoir faire du Warframe sur la chaîne. Là, ça va me plaire, ça. Sur ce, je vous retrouve normalement, bon, à partie comme c'est, demain matin. Demain matin, on se retrouvera sur je ne sais pas quel jeu, peut-être sur jeu là. Hein, qui sait ? Après tout, qui sait ? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que la soirée vous a plu, que vous êtes bien éclaté pour ceux qui sont là. Pour ceux qui regardent la rediff, c'est normal, c'est plus long, mais c'est pas grave. Il y aura 3 jeux hein, pour le coup, hein, enfin 3, on va dire 2 jeux et demi. Et voilà, du coup, on va se quitter sur cette belle planète qui est Vénus, il me semble. Attendez, je ne dis pas de conneries. Il me semble que c'est Vénus. Oui, sur cette belle planète qui est Vénus. Ah, ce soir, ça a été des jeux de l'espace. Hein. J'espère que... Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Et puis, je vais éviter de me répéter. Bonne soirée à tous. Je vais juste quitter le jeu. Hein. Hop. Qu'on fasse le débrief normalement. Et tout proprement, comme d'habitude. Avec la fameuse fin de stream. Donc j'espère que ça vous a plu, que tout le monde a bien passé son bon temps, qu'il s'est bien gâté. Merci à Ambusocrate d'être passé sur la chaîne, ça me fait plaisir que tu passes, c'est cool. Et merci à Nerbo d'être passé, j'espère que tu seras en follow dans ma chaîne, ou à moins que tu m'aies follow, puis j'ai pas reçu la notification. Sur ce, bonne soirée à tous, bonne nuit, bon courage pour ceux qui bossent demain. Et puis sinon, on se retrouve très prochainement en live sur la chaîne Antoine en live. Salut à tous !